J'avais rien à faire un vendredi soir. Personne retournait mes appels. J'ai su que mes chances étaient nulles d'avoir une quelconque relation mutuelle. Je me suis retrouvée devant mon ordi. Je magasinais des shows usagés tout en scroll down. Je sentais un vide béant. Faut que j'arrête de dépenser sur eBay. Quelque chose pour me donner un kick, juste un petit. J'ai été happée. Je suis retournée en boucle sur le site internet dont je suis complètement addict. Je me suis ouvert un compte Facebook. Wow. Il est temps, j'ai la sur Facebook. Je sais. J'ai deux pages, une page publique et perso. Hey, bravo. Chaque fois que la vie m'emmerde, quand je me sens comme un tort, je compte mes amis dans l'ordre. J'en ai 963. Mes amis du secondaire, je les suis des. Mes pensées et j'update mes photos. J'accepte pas les inconnus et j'ai même toi. C'est ma page perso. Complet. Mon new feed m'envoie des souvenirs qui datent de 2010. Si vous êtes pas sur Facebook, me semble que ça serait le temps à Chris. Please, sois mon ami sur Facebook. Accepte-moi, je vais t'ajouter. Savoir qui est rendu gay, qui est queer ou à la peur. Tu peux changer ta photo pour être sérieuse ou plus un joke. Tu peux en mettre une sexy, mais c'est possible que je te pose. Ah. Et sois mon ami sur Facebook. Je vais stalker ton profil et tu ne le sauras jamais. Si jamais je me sens horny puis que j'ai envie de quelqu'un, m'emporte pas dans les bars, je suis à un clic de rencard. Et si je trouve quelqu'un que j'aime et qu'elle a les critères, j'envoie un mot privé et lui demande si elle veut t'aider. Yeah.